Bonjour à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur Les Mystères d'Estia, donc ma chaîne Sandrine Couder. Voilà, je suis voyante médium, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tirage de tarot voyance, tarot oracle. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous en ce moment? Et vous avez donc trois choix de tas de cartes. Alors donc pour vous aider à choisir le tas qui va être, vous allez recevoir votre message, je vous ai mis donc des dessins, des photos d'animaux et des couleurs de pendules. Alors vous pouvez choisir un paquet ou bien deux paquets s'il y en a deux qui vous plaisent. Alors je vous montre donc le premier paquet qui est donc un beau cheval. C'est plutôt un hippocampe mystérieux, légendaire, etc. Et il serait associé donc au pendule vert de guérison. Voilà. Ensuite, vous avez également l'esprit du loup. L'esprit majestueux du loup. Voilà. Donc un loup légendaire aussi. Avec donc une association avec un pendule de jaspe rose. Avec une fleur de vie. Et ensuite, l'esprit de la chouette. Voilà, un esprit de chouette avec des énergies extrêmement puissantes. Alors, je vous le remontre. Et celle-ci est associée au pendule œil du tigre. Voilà, donc je vous laisse quelques instants encore pour choisir votre tas de cartes, celui qui va représenter donc le choix. Je vous rappelle donc l'intitulé « Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous en ce moment ?» Voilà. Donc vous pouvez faire pause si vous désirez prendre un peu plus de temps pour regarder, pour choisir votre tas de cartes et votre pendule. Voilà, et puis vous pouvez choisir deux tas de cartes si vous le souhaitez. Voilà, donc j'en profite évidemment pour vous dire de vous abonner à cette chaîne de spiritualité, de voyance, d'ésotérisme, de médiumnité. Voilà, vous aurez donc des tirages assez régulièrement, minimum une fois la semaine, mais même plus hein, si le temps me le permet. Évidemment, en ce moment, je suis débordée, je fais beaucoup d'ateliers. J'anime beaucoup de choses et en fait, je ne peux pas être partout, malheureusement. Mais je continue à vous mettre des vidéos, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver aussi sur @sandrinemedium sur mon compte TikTok où il y a aussi des vidéos. Et je fais aussi des lives. Donc, ils sont toujours... je préviens toujours les gens quand je fais des lives sur TikTok. Je mets toujours des vidéos. Voilà, pour vous dire que je fais des lives. Voilà, donc on va tout de suite commencer. On va commencer donc par l'énergie de la chouette avec donc le pendule œil du tigre. Et je vous rappelle, vous pouvez choisir aussi deux tas si, voilà, si vous avez envie de choisir deux tas. Alors, on va commencer avec la chouette. On va voir un petit peu quelles sont les cartes qui sont sorties pour cette chouette. Et le pendule œil du tigre. Allez, on y va. Donc, on a une reine de denier, on a un as de coupe. Alors, vous savez que je suis médium, hein, je me fie aux cartes, mais je me fie surtout à mes ressentis. Et voilà, est-ce que je ressens profondément en moi et ce que les guides veulent bien me dire aussi, veulent bien me donner comme message aussi, parce que je reçois énormément de messages de mes guides. Alors, donc là, déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a beaucoup de pensées. Donc, il ou elle pense beaucoup à vous en ce moment. Donc, on est dans, on va dire, dans une énergie de pensée, une énergie où on envoie des énergies vers vous. Voilà, on envoie des énergies vers vous. Cette personne, elle, vous n'arrivez pas, en fait, à quitter ses pensées. Elle pense énormément à vous. Alors apparemment, bon, il s'agit peut-être d'un homme, donc après il peut s'agir d'une femme aussi, mais avec des énergies masculines. Moi, je ressens un homme qui est loin de vous en ce moment, il est chez lui, il est loin de vous, vous lui manquez beaucoup, il pense beaucoup à vous. Alors vous, vous êtes dans l'attente, vous êtes actuellement dans l'attente.
de son appel, d'un message, de quelque chose. Voilà, vous êtes dans l'attente. Et apparemment, cette personne, elle va revenir vers vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite distance instaurée entre vous deux, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas cherché. C'est quelque chose qui s'est, comment dire, manifesté sans que vraiment vous le vouliez, que vous le désiriez. C'est comme si, en fait, la distance, alors peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, géographique aussi, elle s'est instaurée entre vous et on a l'impression que cette distance, elle creuse un fossé entre vous deux. Elle creuse un énorme fossé. Alors, il pense en ce moment à vous, il pense à vous rappeler, à vous expliquer des choses. Alors, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets, qui est extrêmement secret, qui n'a pas réussi à se livrer complètement lorsqu'il était avec vous, lorsque vous avez passé du temps ensemble. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie aussi de vous importuner, de vous embêter avec ses soucis, de vous faire partager un quotidien qui est peut-être un peu lourd en ce moment pour lui. Donc il pense aussi que vous êtes une âme sœur. Il pense que vous êtes son âme sœur et il a envie d'être avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage entre vous. J'ai l'impression qu'il y a un gros blocage. Un blocage qui est dû à, comme je vous l'ai dit, une distance, mais pas que. Il y a aussi autre chose qui se passe. C'est que il y a comme un réveil spirituel chez vous. Et ça lui fait aussi peur. La spiritualité lui fait peur. Il n'a pas l'habitude des personnes comme ça, comme vous, très spirituelles. Alors, il s'intéresse beaucoup à la spiritualité, mais il pense que vous êtes trop spirituel pour lui. Alors, c'est pas qu'il vous considère comme quelqu'un de perché ou comme quelqu'un comme ça, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui, lui, a du mal à se connecter à l'énergie spirituelle, il a du mal à se connecter au guide, il a du mal à se connecter aux énergies. Il est complètement déconnecté. Et vous, en fait, vous l'impressionnez un peu. Enfin, voilà, vous l'impressionnez. Il considère aussi que vous êtes trop bien pour lui. C'est comme si il se mettait des bâtons dans les roues. C'est comme si, en fait, il n'était pas à la hauteur de vous, en fait. Voilà, il n'est pas à la hauteur. Il voudrait, voilà, comment dirais-je? Il voudrait venir vers vous. Donc là, il va revenir. Hein, là, il va revenir. Il pense beaucoup à vous. Mais il n'ose pas, là. Pour l'instant, il n'ose pas vous envoyer un message. Il n'ose pas vous appeler parce qu'il a peur de votre réaction. Apparemment, il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps, peut-être en début d'été. Voilà, ou cet été, moi je pense à cet été. Vous êtes partie de chez lui, mais comment dire, ça a été un départ un peu précipité. Alors, soit vous êtes allé chez lui, vous êtes parti et ça a été un peu précipité, soit vous êtes rentré chez vous et vous étiez vraiment très en colère contre lui. Il y a eu quand même une contrariété ou une colère. Bon, ça, c'est certain, il y a eu une contrariété ou une colère, il vous a énervé. En plus, vous êtes allé le voir, alors soit vous étiez chez lui, soit vous avez donné rendez-vous, soit vous avez passé du temps ensemble. Mais de tout cœur, hein, c'est lui qui vous avait invité, c'est lui qui vous avait proposé de vous voir, voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Comment dire? Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi perfectionniste aussi dans votre pensée, aussi intelligente, aussi éveillée, aussi spirituelle. Voilà, donc il était un peu, on va dire, étonné de voir toutes ces qualités vis-à-vis de vous. Alors, effectivement, il vous considère comme une âme sœur. Donc, c'est que c'est une âme sœur qui vous est destinée. Ou c'est une flamme jumelle. Il y a quelque chose avec lui de toute façon. Il y a quelque chose entre vous. Il pense beaucoup à vous en ce moment. Donc ça, je pense que voilà, c'est une personne qui va pas quitter votre vie comme ça. Hein. En tout cas, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Ensuite, si vous avez choisi la chouette, c'est que vous avez des prédispositions à la médiumité, des prédispositions à la voyance, des prédispositions à l'éveil spirituel. La chouette est un animal qui vit dans l'ombre, qui vit dans l'obscurité, c'est un animal nocturne. Donc, c'est que vous êtes éveillé à tout ce qui est sciences occultes, à tout ce qui est en rapport avec le caché, avec le mystère, avec tout ce qui est caché, mystérieux. Voilà, donc c'est quelque chose voilà, qui vous est, on va dire, qui est pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est quelque chose qui... Je pense que dans votre vie, vous allez avoir une... comment dirais-je, une belle évolution spirituelle et cette personne va peut-être aussi vous y aider parce que vu que cette personne ne l'est pas ou l'est très peu, en lui apprenant des choses, vous allez vous aussi comprendre que vous savez, vous êtes détentrice de beaucoup, beaucoup d'informations. Voilà, donc pour nos amis qui ont choisi la chouette, on continue. Avec donc l'énergie du loup, l'esprit du loup, l'énergie du loup. Et donc le pendule, ce pendule-là, le pendule plutôt clair. Voilà, alors on y va, on va regarder un petit peu ce qui est sorti par rapport à comment, donc, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous ? Alors. Énergie du loup. Alors, en ce moment, donc, il ou elle pense à vous d'une manière... assez spécial en fait, c'est les cartes, les tarots vous disent en fait qu'il ou elle aimerait avoir une discussion avec vous, une discussion à cœur ouvert. Une discussion pourquoi? Parce qu'en fait il y a eu des soucis à cause d'un tiers. Alors soit c'est un homme ou une femme, mais c'est une personne rivale. Voilà, il y a eu une rivalité, il y a eu quelque chose, il y a eu quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple, dans votre intimité. Il y a eu donc peut-être une petite incartade, peut-être de lui ou de vous. Vous avez peut-être été infidèle ou lui a été infidèle ou elle, peu importe, homme ou femme. Et du coup, bien, cette personne attend de vous à ce que vous ayez une discussion à cœur ouvert par rapport à ça. Parce que déjà, c'est pas très clair entre vous. Voilà, il pense que, ou elle pense, que ce n'est pas très clair entre vous. Voilà, la situation est un peu ambiguë. Alors, soit la personne finissait une relation et vous, c'est une relation hyper nouvelle, donc toute neuve. Voilà, donc qui peut-être, ça fait peut-être moins d'un mois que vous êtes ensemble, c'est possible. Ou bien vous n'êtes pas encore ensemble et vous pensez beaucoup à la personne, mais c'est un peu compliqué parce que vous pensez qu'elle n'est pas tout à fait libre. Ce qui est peut-être aussi encore le cas, peut-être qu'il y a encore une tierce personne qui fait partie de sa vie. Il y a peut-être encore quelqu'un qui tourne autour de lui, c'est possible qu'il y ait une personne qui tourne autour. Et donc, du coup, la personne, elle voudrait avoir une conversation avec vous pour expliquer tout ça. Parce que vous n'êtes pas indifférent à cette personne. Vous lui plaisez énormément. Vous avez une énergie qui lui plaît beaucoup. Vous avez une belle vibration, quelque chose qui lui plaît beaucoup. Physiquement aussi, il y a une attraction sexuelle, sensuelle, extrêmement importante. Alors, pour l'instant, peut-être que vous n'avez encore rien fait, ou alors vous avez fait peut-être quelque chose avec lui ou elle, mais on va dire de manière pas approfondie, vous n'êtes pas donné à 100% dans cette relation, qu'elle soit sexuelle ou sensuelle ou romantique, etc. Vous n'êtes pas donné à 100% parce que pour vous, cette personne n'était pas libre. Peut-être que c'est une sensation uniquement psychologique. Peut-être qu'elle est sous une emprise encore, cette personne.
une emprise mentale. Voilà. Donc, cette personne aimerait donc vous contacter et aimerait que vous, elle voudrait avoir une conversation avec vous. Il y a aussi donc par rapport à cette personne une sensation de sagesse. C'est comme si c'est une personne qui était plus âgée que vous. Ou si elle n'est pas plus âgée, elle est vraiment dans la sagesse, c'est-à-dire qu'elle réfléchit à tout, elle pense à tout, elle est vraiment, elle attend, elle est très patiente, voilà. Elle aimerait faire énormément de choses avec vous, cette personne. Elle aimerait même, elle pense même à s'installer avec vous, voilà. Elle vous ouvrirait sa porte sans problème, la porte de sa maison sans problème. Mais il y a encore des détails à mettre en place, à discuter avec cette personne parce qu'elle voudrait en fait qu'il y ait une conversation en cœur ouvert avec vous, mais elle voudrait parler aussi des détails de la vie quotidienne, si j'ose dire, des détails sur comment est-ce que vous allez procéder à ce ménage. C'est une personne qui peut se montrer possessive, qui peut se montrer intolérante quelquefois. Donc, il faudra beaucoup discuter avec cette personne parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis d'ordre, voilà, du quotidien avec cette personne parce qu'elle est très portée, par exemple, sur une maison qui est bien tenue, le ménage, les courses, voilà, tout ce qui fait partie d'un fonctionnement normal de maison. Très, très à cheval sur les petits détails, la cuisine, les choses comme ça. Voilà, très, très. Pour elle, c'est très important qu'une maison soit bien tenue et qu'il y ait des règles et voilà, des règles à respecter. Voilà. Alors, bon, à partir de là, je pense que si vous faites bien les choses, il n'y aura pas de problème. Elle pense du bien de vous. Voilà. Il n'y a aucun souci. Il y a des petites choses à régler dans votre cheminement tous les deux. Mais sinon, globalement, c'est une énergie positive que ces carreaux, cet tarot vous envoie, c'est plutôt positif. Alors, au niveau de l'énergie du loup, le loup qui est un animal également nocturne, il se balade énormément la nuit, il voit très très bien la nuit d'ailleurs. C'est un animal de meute, un animal qui peut être voilà, le chef d'une meute, ou bien une louve, un loup, ou bien il est tout simplement, il fait partie de cette troupe, et vous faites partie, donc vous êtes, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous voulez voir loin, vous désirez voilà, faire partie de ce foyer, voilà, vous aimeriez être en couple définitivement avec cette personne qui vous a frappé par comment dirais-je, par son esprit vif, son désir extrêmement puissant on va dire, c'est une personne qui vous enveloppe, qui est donc charnellement aussi, il y a une attraction très puissante. Mais il n'y a pas que ça, il y a c'est maternant, c'est sensuel, c'est enveloppant, voilà, il y a une douceur dans cette personne, il y a une certaine douceur. Et dans son regard, il y a quelque chose d'attractif, il y a quelque chose qui vous a plu dans son regard. Voilà donc pour ceux qui ont choisi le loup. Maintenant, on va finir par l'énergie donc du cheval hippocampe, hein, animal légendaire, donc avec le pendule vert, pendule de guérison de couleur vert. Alors, on y va. Alors, déjà, on va voir un petit peu ce qui est sorti au niveau donc des tarots. Alors, on a, ok, donc que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? C'est pour le moment donné, hein, c'est pour maintenant. Alors là, moi, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez rompu. Voilà. C'est une personne avec qui vous avez rompu. C'est une personne du passé. Donc, vous pensez énormément à cette personne actuellement, suite à cette séparation qui a été, je pense, douloureuse. Alors, c'est une séparation qui a eu lieu, tout récemment, hein, c'est très récent.
Cette personne pense à vous d'une manière un peu romantique encore, hein. Elle est très attachée à vous, elle est très attachée à votre couple, à le couple que vous formiez ensemble. Elle est très attachée. Il y a eu un souci d'argent entre vous. Alors, c'est un souci d'argent soit pour l'histoire d'un foyer, pour le fonctionnement du foyer, soit ça peut être tout simplement que vous, elle vous devait de l'argent, que vous lui deviez de l'argent, etc. Et par rapport à ça, eh bien, vous avez rompu, ça a été trop loin. Peut-être qu'elle vous a demandé de l'argent, ou enfin voilà, il y a quelque chose avec avec une histoire d'argent. Moi, ce que je vois, je pense que cette personne pense à vous de manière affective, amoureuse, et qu'elle aimerait revenir vers vous. Voilà, cette personne, moi, je l'imagine revenir vers vous, comment dirais-je, de tout cœur, c'est-à-dire que c'est une personne vraiment qui a encore, qui a de l'affection, qui a de l'amour. Une personne avec une grande force de caractère, donc je sens une personne qui est très active, qui travaille beaucoup, avec des énergies, voilà, de, comment dirais-je, qui désire aller de l'avant, qui entreprend, qui, voilà, c'est une personne qui ne reste pas assise toute la journée. On sent qu'elle veut sortir, elle veut bouger, elle travaille beaucoup, elle a toujours des choses à faire, cette personne. Elle est toujours. De toute façon, on la voit toujours sur le pas de la porte, prêt à partir. Voilà, là. Elle met pas les pantoufles, elle met les chaussures directement, prêt à sortir de chez elle. Voilà. Donc, par contre, c'est une personne qui peut se montrer coléreuse, colérique, soupaulée. Elle s'énerve extrêmement facilement. Alors, autant c'est une personne très généreuse quand elle le veut, mais elle ne veut pas qu'on l'oblige à faire des choses. Et si vous l'avez obligée à par exemple, à vous donner un loyer ou que vous l'avez obligée à acheter quelque chose qu'elle ne voulait pas, ou partir en vacances, elle ne voulait pas partir, ou voilà, peu importe ce que vous l'avez obligée à faire, c'est une personne qui peut se montrer extrêmement coléreuse. Voilà, elle peut vite partir dans les tours parce que c'est comme ça, c'est son tempérament, elle est soupaulée. Mais ça n'empêche pas qu'elle vous aime encore, que la situation n'est pas réglée. Que le couple va peut-être se reformer, donc elle pense à vous ou il pense à vous de manière que vous reveniez dans sa vie. Voilà, donc c'est vraiment, moi ce que je pense, c'est ça, c'est il y a un retour dans la vie affective assez rapide, il y a un beau retour dans la vie affective, il y a donc vous allez vite vous reparler, vous revoir pour vous remettre ensemble parce que ce n'est pas terminé, c'est pas une relation qui est terminée. Vous sortez comme des amoureux, la roue tourne, ces colères, elles vont s'atténuer, je pense, avec le temps, et vous allez peut-être vous remettre ensemble. Voilà. Donc elle pense du bien de vous. C'est une personne qui pense du bien de vous, mais en étant quand même dans la méfiance, parce que maintenant qu'elle a vu ce qui s'est passé. Comment dire, elle aurait peur de tout de suite là de vous énerver ou et son ego aussi. Donc cette personne un peu orgueilleuse aussi, elle a pas envie de s'excuser, elle a pas envie de vous appeler pour le moment. Elle attend, elle vous fait un peu voilà, un peu comment dirais-je, mijoter, on va dire. Mais elle va reprendre contact avec vous, elle va reprendre contact, très rapidement, vous allez avoir de ses nouvelles, elle va vous appeler. Voilà. Alors, maintenant, on a donc l'énergie donc de cet hippocampe légendaire, ce cheval légendaire, ben c'est un peu comme le chariot. Ça va droit au but, ça avance, c'est fou, c'est attention de ne pas faire des choses que vous allez regretter, parce que moi je vois quand même que vous risquez comment dirais-je, de faire des choses improbables, de faire des choses irréfléchies. Soyez toujours réfléchis dans vos actes, c'est très important pour vous. Soyez, comment dirais-je, prudent dans le fait de prendre des choix. Voilà, soyez très prudent. Voilà donc pour ces trois choix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à actionner la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, vous n'allez pas recevoir toutes les vidéos. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos.